C'est ça, le temple de l'eau ? Ce temple est vraiment imposant. En effet, mais c'est aussi là que se trouvent Ran et sa horde de démons. Si tu dis vrai, ça devrait grouiller de démons à l'intérieur, pas vrai? On n'est pas venu ici pour faire les demeurées. Pourquoi t'es si impatient? Tout simplement parce que je suis impatient de massacrer les démons et de sauver la prêtresse. Allons-y, dépêchons-nous! Oh, le voilà reparti. Ouais, c'est mon frère tout craché. Oh. Je n'ai pas dit ça pour l'encourager, bon sang. Et puis, imagine s'il s'attire à nouveau des ennuis. Rena avait bien vu juste. Étrangement, tu t'inquiètes beaucoup pour mon frère, n'est-ce pas, Aïcha? D'abord, qu'est-ce que t'en sais que je suis inquiète? Eh bien alors, prends soin de mon petit frère chéri, d'accord? Oh, aucun des deux ne semble comprendre ce que je dis. La prêtresse, elle est là! Ran! Cheng, ce gars-là qui se tient devant nous, c'est bien celui qui a transformé ton père en démon? Oui. Ran, ramène mon père à la raison immédiatement! C'est vous, les chercheurs d'Eldrit? Très intéressant. Me voilà surpris de vous voir venir avec le fils d'Elput. Cependant, Sir Elput a déjà entièrement été consumé par les ténèbres. Et son cher fils est venu jusqu'ici, rendant son sacrifice inutile. Malheureusement, vous n'êtes plus en mesure d'entraver notre plan désormais. Allez, c'est à notre tour de jouer, les gars.
Toi et Chung, vous allez vous occuper de Ran. Avec les autres, on vous couvre et on s'occupe du reste. Je vous prends tous un par un. Chung, tu n'as rien ? Ne t'en fais pas, je vais bien. On va devoir l'attaquer tous les deux. D'accord. Vous avez une sacrée estime de vous-même, je me trompe. Prends ça, Ran ! Chung, écarte-toi, je vais m'occuper de lui. Je peux encore me battre. Tu ne fais pas le poids face à moi. Si vous n'aviez pas tous été là, je n'aurais jamais eu l'opportunité de combattre Ran. Voilà pourquoi... Qu'est-ce que... En tant qu'héritier de la famille Saker, mon devoir est d'abattre tous les démons semant le chaos dans ce monde. Ces attaques sont plus puissantes. D'où lui vient cette énergie? Qu'est-ce que tu dis de ça? J'y crois pas. Je me fais battre par un simple humain. Pour la dernière fois, fais revenir mon père! Qui a... Ran! Non, attends! Tu vas où comme ça? Après tout ça, après tout ce que j'ai fait pour en arriver là! Chung. Pourquoi? Qui es-tu? Et pourquoi est-ce que tu as aidé Ran? Je suis désolée, Je m'appelle Ara-Han, et ce démon que vous appelez Ran, c'est... C'est en fait mon frère. Il s'appelle Aren-Han. Quoi? Comment ça? Ce démon, c'est bien ton frère? Mon frère Aren... Il est devenu comme ça à cause des démons. Tu veux dire que... Ran n'a pas toujours été comme ça? Je suis terriblement désolée de vous avoir barré la route. Mais moi, Je veux juste que mon frère soit de nouveau à mes côtés, comme avant. Mon fils, tu dois rester fort. Je comprends, j'ai déjà vécu ce sentiment. Il est dur à accepter, ce sentiment de perdre un membre de sa famille à cause des démons. Mais même s'ils sont des démons désormais, il faut garder l'espoir qu'un jour ils redeviendront comme avant. Tu crois vraiment en moi? Si l'on est capable de redonner son humanité à Ran, alors je suis persuadé que nous pourrons aussi le faire pour mon père. Alors, jusqu'à ce que ça arrive, prête-nous main forte. De tout cœur, merci. Bonne nouvelle. Waouh, il est tellement mature. Je n'arrive pas à croire que Chung a exactement le même âge que toi. Il est jeune, mais très réfléchi. Il n'est pas comme Elsword, au moins. Oh, regardez! Le sceau de la prêtresse va se briser! Merci beaucoup de m'avoir sauvé de l'emprise des démons, chercheur d'Eldrith. Je suis la prêtresse de l'eau,
Je m'appelle Sacha. Je sais pourquoi vous êtes venu jusqu'ici. C'est grâce à sa voix. Grâce à sa voix ? Les démons ont tous un objectif commun, détruire Helios. Nous, les prêtresses, nous sommes utilisées contre notre gré pour participer à leur plan vicieux. Chers chercheurs d'Eldrite, je vous en supplie, vous devez sauver les autres prêtresses de leurs griffes. C'est le seul moyen possible pour protéger la prophétie. Comment ça ? Quelle prophétie ? De qui parliez-vous ? Je parlais de la Dame d'El. Elle est la seule capable à Helios de restaurer l'énergie d'Eldrite. Elle est indispensable. La Dame d'El ? Pourtant, j'ai toujours cru que ce n'était qu'une légende. Je n'aurais jamais cru qu'elle existait vraiment. Vous voulez dire qu'elle existe et qu'elle est encore en vie ? Je ne sais pas où elle est, ou même si elle est encore en vie. Mais si vous vous arrangez pour rassembler les prophéties de toutes les prêtresses, alors sa position nous sera peut-être révélée. La Dame d'El existe donc réellement. Mais le plus grave et le plus préoccupant dans tout ça, c'est bien que les démons essaient de détruire Helios en utilisant les prêtresses. Alors, nous devons absolument protéger les autres prêtresses. Alors, comment faire pour toutes les trouver ? Heureusement pour nous, je sais exactement où elles sont. Je peux vous guider et les localiser. Parfait ! Cheng, tu viens avec nous ? Si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas pu protéger seule la ville d'Amel de ses démons. Alors je viens avec vous, évidemment ! Puis-je me joindre à vous, moi aussi ? Bien sûr ! Nous pourrons battre les démons et sauver les prêtresses tous ensemble. Merci infiniment, Elsword. La Dame d'El, hein ? Elésis ? Hein ? Bien sûr ! Je me joins à vous aussi ! Je vais laisser les autres chevaliers pots pour s'occuper d'Amel, et nous pourrons éliminer les démons, tous ensemble ! Génial ! Allons-y ! Salut.